Offrande du jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de ce jour nouveau que le Seigneur nous a accordé, offrons-lui cette journée, offrons-lui notre journée. D'un cœur sincère, rendons grâce à Dieu. Je te rends grâce, ô Père, c'est toi qui as créé l'univers à la louange de ton nom. Tu as donné aux hommes la nourriture, le breuvage en jouissance, afin qu'ils te rendent grâce. Daigne, Seigneur, en ce jour, délivrer ton Église de ton mal et de la parfaire dans ton amour. Car à toi sont la puissance et la gloire dans les siècles. Amen. Dans le silence du cœur, engageons-nous en prenant des résolutions. Et maintenant, le psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. À présent, récitons ensemble la prière reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutienne également en ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions.
Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.